Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Merci encore, apôtre Douglas. Thank you, Apostle Douglas. Pour votre disponibilité toujours. For your availability as well. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, papa. May the Lord bless you as well. Et ton Dieu hier nous a fait tellement du bien. And your God did good to us yesterday. Et je sais que ce soir ça va être encore le feu. And I know tonight it will Alors, be even better. Pendant que nous acclamons Jésus. As we clap for Jesus. Je vous invite, papa. We invite you. Mon âme t'exalte pour ce moment, Père. Merci pour ta divine présence. Thank you for your divine presence. Lorsque nous voulons entrer dans ta parole, as you enter into your word, je demande ta grâce. I ask for your grace. Je demande que tu oignes ta parole. I pray that you anoint your word. Je demande que tu me rendes capable de la communiquer. I pray that you make me able to communicate fidèlement, your word. Seigneur. Faithfully, Lord. Donne-moi l'onction. Give me the anointing. Donne-moi l'inspiration. Give me the inspiration. Que ta parole touche nos cœurs. Your word touch our hearts. Pénètre nos vies. Penetrate our lives. Oui, qu'elle transforme nos vies. Yeah, it transform our et que lives. Jésus soit glorifié. And Jesus be glorified. En ce moment, in this moment. Bénis ton peuple, bless Seigneur. Your people, Father. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Disons Amen. Amen. Quelqu'un me aide à acclamer le Seigneur. Help me clap for the Lord. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Greetings to all. Aide-moi à saluer ton frère de gauche, de droite. If you can help me greet your neighbor on the left and on the right. Je
bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité. I bless the name of the Lord for this opportunity. Que nous fait de pouvoir nous tenir devant le peuple de Dieu. Allowing us to stand before the people of God. Et merci à mon frère, mon ami, le docteur Michaud. Thank my friend, Dr. Michaud. Et merci également au pasteur Harry, son épouse, et à tous les pasteurs qui font un travail merveilleux. Thank you, Pastor Harry and his spouse, and all the pastors doing a wonderful work. Et nous sommes bénis pendant ce moment, n'est-ce pas? Truly blessed during these times. Okay, aujourd'hui nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. And today we're going to continue on what we spoke on yesterday. Nous sommes en train de parler sur la révélation du mystère de Jésus-Christ. We're speaking on the revelation of the mystery of Christ. Nous sommes basés d'abord sur le psaume chapitre 25. Our basically our scripture is in notre the Psalms 25, which is our foundation. Voyons comment est-ce que David, qui était un homme de Dieu, as David as a man of God, un prophète, a prophet, un homme politique, a man of politics, un chef militaire, a man of the army, mais aussi un chant agréable à l'Éternel, but also a wonderful singer for comment the Lord. Est-ce qu'il n'a pas essayé pas confier dans tout ce qu'il avait comme appui, how he didn't lean upon all that mais he il had, confié plutôt en Dieu, but he trusted in the Lord. Et il n'était pas dans la honte. And he was not in shame. À chaque fois que David rencontrait des difficultés, every time David met difficulties, Dieu le sortait de ces situations. The Lord brought him out of those pourquoi situations. Parce qu'il s'est confié en Dieu. Why? Because he trusted in the Lord. Nous avons vu que ce qui a amené David et tous les autres, c'est confier en Dieu. And seen that what brought David and all the others to trust c'était in God. C'était la connaissance qu'ils avaient de ce it was Dieu. The knowledge that they had in et God. Cette connaissance qu'on a de Dieu. And the knowledge that we have of ne him. Ne vient pas de nous-mêmes. It doesn't come from ourselves. Ne vient de Dieu lui-même. It comes from God himself. Pourquoi? Parce que Dieu est un mystère. Why? Because God is a mystery. Nous avons parlé de Christ en tant que mystère. We spoke of Christ as the mystery. Nous reprenons notre texte de base dans le livre de Colossiens au chapitre 2. So if you go back in Colossians chapter 2. Le premier verset jusqu'au verset 3. The verse to verse 3. Il est dit ceci dans Colossiens 2. Colossians chapter 2. Il est dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ici, l'apôtre Paul, Paul nous parle du mystère caché de speaking Dieu. Of the hidden mysteries et il dit que Dieu nous a enrichis. He says that God has enriched us de toute intelligence, from all knowledge, pour connaître le mystère de Dieu. To be able to know the mystery et il s'adresse à l'Église. And he's speaking to the parce church. Quelquefois, l'Église passe à côté de l'essentiel. At times, the church misses out on the necessary. Tout simplement parce qu'il lui manque la révélation. Simply because we lack on the revelation. Dieu qui prie. Or because God who prays. Et la révélation de Christ. And the revelation of Christ. Lorsqu'on as we have elle change notre manière de it voir changes les choses our way of seeing things. Et elle nous donne la foi, and it gives us elle nous donne l'assurance, and it gives us assurance. Et elle nous aide à pouvoir nous confier en lui, and it helps us trust et lorsqu'on God est rempli d'intelligence, and as we're filled with understanding, connaître le mystère de Dieu, and knowing the mystery of alors God, notre vie n'est plus jamais our lives la même is no longer the same. Et dans ce mystère, and in that mystery, sont cachés tous les trésors is hidden all treasures de la sagesse, of the wisdom, tous les trésors all the riches de la connaissance, of knowledge. Plus tu le connais, more you know him, mieux tu vas te confier en lui. More you're going to trust plus tu in le him, connais, more you know plus him, tu seras fort, and more you're going to be strong. Et ma prière, and my prayer, et que pendant que nous sommes en train de clore ce moment de jeûne et prière, this time of fast and prayer, que Dieu enlève le voile de nos yeux, the Lord remove the veil pour que nous puissions entrer dans la connaissance so that we may de Dieu, enter into the knowledge pour que nous puissions le connaître intimement, so that we may know him que nous puissions le connaître personnellement, so that we may know him personally, pas seulement connaître le Dieu que les hommes de Dieu prêchent, not just know that the God that mais que chacun se dise, j'ai aussi ma révélation de ce Dieu, et la révélation de ce Dieu and dans the revelation ma vie of this God in my life, le cours de it would change the course of things. Et on a vu dans Ephésiens chapitre 3, we've seen in 1 Ephesians chapter 3, verset 3 au verset 5, verse 3 to 5, comment est-ce que l'apôtre Paul parle de l'intelligence qu'il a reçue. As Paul speaks of the intelligence he received, cette intelligence n'a pas été donnée aux fils des hommes des autres générations. He said it was not given to the other church, sons of other generations. Parce que c'est à partir de cette intelligence spirituelle, because it's through this spiritual understanding, il a eu accès à la connaissance de Christ. That he had access to the knowledge of Christ. Il dit c'est par révélation. Said it's by revelation. Et on a dit que la révélation c'était l'action d'ôter le voile. The revelation is the action of removing c'est par révélation the veil. Que j'ai eu connaissance that I acknowledge du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. On the message that I written in a few et words. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. It's by reading again, the inside of the il n'a pas été manifesté aux fils des hommes.
It was not manifested to the dans sons les of autres men, générations, other generations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. C'est-à-dire que la révélation que nous sommes censés avoir aujourd'hui doit dépasser la révélation qu'a eu Abraham. It has to surpass the knowledge la révélation Abraham que nous sommes censés avoir aujourd'hui doit dépasser la révélation que Moïse a eue. La révélation qu'on est censé avoir aujourd'hui dépassera la connaissance, la révélation que Esaïe a eue, que Jérémie a eue, que Daniel a eue, que tous les autres grands hommes de Dieu ont eu. Parce que dans leur temps, ils avaient des révélations, ils avaient des connaissances, ils avaient des illuminations, mais c'était encore limité. Mais nous sommes dans un temps où ce n'est plus limité. À cause du Saint-Esprit qui habite dans en toi, en moi, la révélation que je dois avoir doit être au-delà. Et si elle doit être au-delà, je dois être capable de me confier plus que David. Oh, tu ne m'as pas bien compris. C'est-à-dire, aujourd'hui, notre confiance doit dépasser celle de David. Mais quand on regarde, c'est comme si eux, ils avaient plus de foi que nous. Ça doit changer. It has to change. J'ai dit ça va changer. I said it will change. J'ai dit ça doit changer. I said it has to change. Regarde à ton voisin, dis ça doit look changer. At your neighbor, telling me it has to change. Romains chapitre 16. If we go in Romans chapter 16. Romains 16. Romans 16. Verset 25. Verse 25. Verset 27. And to 27. Ça c'est notre introduction. This is the introduction. Il dit ceci: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant 26. Manifesté dans les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle de siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici l'apôtre Paul, il parle de celui qui est capable de nous affermir. Quand on parle de quelqu'un qui est affermi, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est fondé, c'est quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Oh là, ce qui peut te rendre stable, inébranlable, c'est la révélation que tu as de ce Dieu. God. Oh, je dirais, I would like to say, plus tu connais ce Dieu, more you know this plus God, tu vas devenir stable. More you will become stable. Et c'était le cas was the case de celui qui suivait Jésus. Of the one that followed Jesus. C'était un disciple de it Jésus. Was a disciple mais of il Jesus, était agité. But he was agitated. Il était instable. He was unstable. Son nom était Simon. His name was Simon. Et il s'appelait Simon. He was called Simon. Le nom Simon veut dire then, roseau. The man said, well, somebody that's unshakable. Somebody that's unstable. Celui qui va à tout courant, selon le courant de je dirais de l'eau. Somebody that goes according un to the current of the water. What does on the left and on the right and on the jour, but one day, Jésus a voulu changer sa situation. Jesus to change the situation. Et lui pose la question. Question. Qu'est-ce que les gens disent de what moi? What are people saying of et me? Et beaucoup ont répondu. And many people have answered. Qui disent que tu es Jérémie. Some say that you're Jeremiah. D'autres disent que tu es Élie. Others say that you're Eli. D'autres encore tu es l'un and des prophètes. Others say of the one of the prophets. Okay. He says okay. Toutes ces réponses so all those ne sont pas fausses. Are not wrong. Mais ce sont des parties. La révélation de celui que je suis. Of who I parce am. Que tous les prophètes right, préfiguraient le prophète par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ parce qu'ils avaient en eux l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus. Bible dit le témoignage de Jésus. C'est l'esprit de la prophétie. Et tous les prophètes parlaient par l'esprit qui était en eux. That was in them. Et Jésus leur pose la question. And Jesus has et an vous, answer. Qui dites-vous que and je ask suis them, who do you say that I am? Personne n'a eu la réponse. No one had the answer. Mais la Bible dit, but the Bible says, Pierre va dire, and Peter will say, tu es le Christ. You are the Christ. Ah, nous sommes en train de parler de la révélation de Jésus. Il dit, tu es le Christ. He says, you are the Christ. Le Fils du Dieu vivant. The Son of the living God. Et Jésus va répondre en disant, and Jesus will answer by saying, ce n'est pas la chair, it is not flesh, le sang, nor blood, qui t'ont révélé cela. This to en d'autres termes, ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas, oui, les écoles théologiques. Ce ne sont pas les écoles biblique. It is not biblical school. Oh, j'aime l'école théologique. I love theological school. J'aime l'école biblique. I love biblical mais on n'apprend pas la révélation but de Jésus. You don't learn the revelation à l'école of théologique. At theological la révélation school. De Jésus. The revelation of c'est Jesus. Dans la communion and avec lui. Fellowship with oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce
soir. Si tu veux avoir la révélation, tu dois être un intime. Tu dois écouter Dieu. Tu dois recevoir l'intelligence. Il dit, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Oh, je voudrais te dire aujourd'hui, le Père va se révéler à toi. Aujourd'hui, le Père va se manifester à toi pour que ta vie ne soit plus jamais la même. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas de sang. Je peux te prêcher d'une grande manière, mais tu n'auras pas la révélation. Mais ma prière est que pendant que je parle, que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et que le Père te donne la révélation de son Fils. Seule cette révélation peut t'affermir. Alléluia. Et l'église d'aujourd'hui doit chercher la révélation. It has to seek for revelation. Elle doit désirer. It has to desire de connaître Jésus. To know Jesus. Et Jésus un jour a dit, and Jesus said one day, Père, je te loue. Father, I praise you. De ce que tu as caché ces choses. For you hidden these things. Aux sages, aux intelligents. To the wise, to the intelligent. Mais que tu les as révélés aux enfants. But you revealed it to the children. À ceux qui sont humbles. To those that are humble. À ceux qui se disent qu'ils ne connaissent rien, qui ont besoin de connaître. To those that say they lack everything they need to know. Il dit, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. I praise you for you who liked it to be this way. Il dit, vous êtes heureux. He said that you are blessed. Vous qui connaissez ces choses. You who know these things. A dit à Pierre, Jesus, tu es heureux. Jesus, Peter, Simon, fils de Jonas. Simon, son of Jonah. La révélation de Jésus. The revelation of Jesus. C'est ça la clé de ton bonheur. It is the key of your happiness. Beaucoup de chrétiens pensent que many Christians think leur vie va changer le jour ils auront beaucoup d'argent. Their life will change once they have a lot of money. Laisse-moi te dire que tu te trompes. But let me tell you that you're wrong. D'autres encore pensent que leur vie va changer. Other people think that their life will change. Le jour ils vont se marier. The day they'll get married. Ah, il attend le mariage. They're expecting the le marriage. Le jour je vais marier. The day I'll get married. Ah, vraiment ils vont sentir. Ah, they're gonna feel me. Vraiment ils verront comment je vais rentrer. Dans la salle. Comment je serai maquillé? Je veux te dire, après que le mariage, le jour du mariage soit passé, tu vas comprendre que tout n'est que vanité de vanité. Mais je veux te dire la seule chose qui est capable de changer ta vie, de changer tout autour de toi, c'est la révélation. Oh, je n'ai pas entendu ta. Je dis, c'est la révélation que tu as de Jésus. La révélation de Jésus va changer ta vie. Your life et ta destinée. And your destiny. Hallelujah. Amen. Alors, so then, hier nous avons parlé de typologie. Yesterday we spoke of different types. De Christ dans l'Ancien Testament. Of Christ in the Old Testament. Et on essaie de faire une analogie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. And we're trying to make a difference between the Old Testament pourquoi? And the New Testament. Parce que l'Ancien Testament, because the Old Testament était l'ombre de choses à venir. It was the shadow of things to mais come. Mais le corps ou la réalité est en Christ. But the body in the revelation of Christ. Donc pour mieux connaître Jésus, so to understand Christ better, tu dois bien comprendre l'Ancien Testament. You have to understand the Old Testament. Du reste, je me redis. And the rest, I'd like to les say. Les apôtres quand ils nous prêchaient, the apostles when they were preaching, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. They did not have the New. Jésus. They preached Jesus, mais en se basant sur l'Ancien Testament. The Old Testament. Alléluia. Ils se basaient sur l'Ancien Testament. They based themselves on the Old Testament. Et ils prêchaient Jésus. And they preached Jesus. Le Saint-Esprit les conduisait. The Holy Spirit will lead them. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit. The Bible says pushed by the Spirit. Que des hommes parlaient de la part de Dieu. It's by the man's book by the Spirit. It is pushed by the Spirit. Et leur prédication était tellement puissante. And their preaching was so powerful. Que les cœurs étaient touchés. That hearts were touched. Que les démons étaient chassés. That demons were cast out. Que les malades étaient guéris. That sick were healed. Oh, j'aime quand Paul parle. I love when Paul speaks. Il dit, quand j'étais chez vous, he says, when I was with j'étais you, dans un état de crainte. I was in a state of fear. Et de tremblement. And of shame. Mais une chose est sûre. But one thing is sure. Ma parole. My word. Et ma prédication. And my preaching. Ne reposait pas. Does not dwell. Sur le discours. Upon the persuasif des hommes. De la sagesse humaine. Of the human wisdom. Une démonstration. It's a demonstration. Ah, d'esprit. Of the spirit. Et de puissance. And of might. Laisse-moi te dire. Oh, let me tell you. Jésus, ce n'est pas la théorie. Jesus is not theory. Jésus, ce n'est pas des blah blah blah. Jesus is not a blah blah blah. Jésus se démontre. Jesus is et ce soir, je veux te dire, tonight, like tu vas commencer you, à démontrer Jésus dans ta vie.
things I said les gens qui te minimisaient, ils verront la démonstration, la manifestation de la personne de Jésus au travers de ta vie. And through your life. Laisse-moi te dire, ta vie sera un témoignage. Let me tell you, your life will be a testimony. Oh, je dis, ta vie sera I un said, témoignage. Your life will be a testimony. Hier, tu as entendu le témoignage des autres. Yesterday, you heard other people's mais testimony. Le temps arrive où tu auras ton propre the témoignage. Time is coming where you'll have your own testimony. Tu diras comme Job. Tu diras comme Job. You'll say like Job. Mon oreille. My ear. Avait entendu parler de toi. I heard of you. Mon oreille. My ear. J'ai dit mon oreille. I said my ear. J'ai dit mon oreille. I said my ear. Avait entendu parler I've de toi. I've spoken of nah, you. J'ai dit mais maintenant. I said but now. Est-ce que je parle au sénateur ou sénatrice? J'ai dit maintenant. I said but now. J'ai dit aujourd'hui. I said today. Mes yeux. My eyes. Mes yeux. My eyes. Te verront. Shall see you. Qui veut voir Jésus? Who wants to see Jesus? Oh, je sens en esprit une excitation spirituelle. I feel an excitement in my spirit. Oh, je sens dans l'esprit que quelque chose est en train de something is happening. Something je is happening. Je sens que quelque chose va se passer. I feel something is gonna happen. Je ne suis pas responsable. I am not responsible. De ce qui va se passer. What is gonna mais happen. Je sens que quelque chose but va se passer. I feel that something is gonna happen. Lorsqu'on parle de Jésus, as we speak of l'homme Jesus, de Galilée, the man of Galilee, le ciel bouge. And the heaven moves. Ah, le Saint-Esprit est en action. The Holy Spirit is in action. Il est prêt à agir. Parce que quand il est quand il viendra, il me glorifiera. When he comes, he shall oh, le Saint-Esprit aime quand on parle de Jésus. When we speak of Jesus. L'homme de Galilée. The man of Galilee. Le prince de la paix. The prince of peace. Le prince de la vie. The prince of life. Alpha et Omega. Alpha and Omega. Le commencement the et la fin. Lion de la tribu the de Juda. Le principe de la création the de Dieu. Ah, je suis venu te dire. L'homme unique. The unique jamais homme n'a parlé no comme lui. Spoke like quand him. Tu commets l'erreur de l'écouter. The mistake on tu vas laisser tomber tes armes. You're gonna let go et on te posera les questions. Mais où est-il? On vous avait envoyé l'arrêter. We sent you to arrest him. Ah, laisse. And said, let go. Ah, laisse. Let it go. On a écouté. We heard. Les politiciens. The politicians. On a écouté. Les pasteurs. To the pastors. Mais jamais homme. But no man. Ah, on a parlé comme lui. I've spoken like him. Ton langage va changer. Your language changed. À l'école, ton langage va changer. At school, you were speaking. Au travail, ton langage va changer. At work, your dans ta famille, changed. Ton langage va changer. Your family, your language parce changed. Que tu commences à voir la révélation. Of God. Amen, amen, amen. Amen. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Jésus. Jesus. Dis-lui Jésus. Tell your neighbor Jesus. Oh, tu n'as pas mangé. Dis-lui Jésus. Are you afraid? Tell Jesus. Je sais qu'on était en jeûne. I know that we were fasting. Tu as coupé au moins les jeûnes. Dis-lui Jésus. Tell him Jesus. Je veux entendre un bon bruit, Jésus. I want to hear a good noise of Jesus. Ah, non, je n'entends pas. Je n'entends pas. Can I hear you say Jesus? Dis encore très fort Jésus. Tell me Jesus. Okay, je croyais que quelqu'un allait se lever crier Jésus. I thought somebody was going to stand and shout Jesus. Ah, je croyais que quelqu'un allait se lever crier acclamer Jésus. I thought you were going to stand and shout Jesus. Non, je ne parle pas de moi. I'm not speaking of myself. Ah, je ne suis que poussière. I'm only a dust. Que je diminue qu'il croisse. May I be little, may est-ce que quelqu'un increase? Ici peut dire Jésus? Can somebody say Jesus? Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Can somebody say non, Jesus? Non, non, je dis Jésus. I said Jesus. J'ai dit Jésus. I said Jesus. Ah, je dis Jésus. I said Jesus. Ah, je dis Jésus. I said Jesus. J'ai dit Jésus. I said Jesus. And today we'd like to see une révélation, une manifestation one of the manifestations de ce Dieu, de ce Christ of Christ qui était un mystère that is mystery tout au long du parcours and throughout the course throughout l'Ancien Testament the journey de la Genèse of the Old Testament and of Genesis. Je vais vous donner quelques textes depuis Genèse jusqu'à Malachie. I'm going to give you a few texts from Genesis to Malachi. Nous allons un peu vite. Going to try to go pour que tu puisses comprendre so they may understand qui est ce Jésus who is this en Jesus, qui tu dois te confier in whom you have to trust. Oh, ne te confie pas en l'homme. Don't trust in man. Tu te confies en moi. You trust in me. Je ne suis qu'un homme. I'm only a man. Nous ne sommes que des hommes. We are only men. Faillibles. Weak. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont des fois blessés, and déçus? That, you know why some people are deceived at times? Parce qu'ils mettent l'homme à la place de Dieu. Because they place man in the place of God. Non, même si Dieu nous utilise. Even if God may use us. Ne nous mettez jamais à la place de Dieu. Never place us on the place. Dieu reste Dieu. God remains et God. Reste l'homme. And man remains man. Quelle que soit la bonne volonté d'un homme. Despite the goodwill of a man. Il reste qu'un homme.
homme. He remains et a man. Maudit soit and cursed celui be qui the se confie dans l'homme. Who will trust mais in man, béni soit but blessed celui be qui se confie en l'éternel. Who will trust in je the veux Lord. Te parler de quelqu'un I qui, to speak to you of someone peu importe ce que tu as connu, despite what you have known, qui ne déçoit jamais, who never deceives, qui n'abandonne jamais, who never abandons, qui ne délaisse who never jamais. Forsakes. Il est le même hier. He's the same yesterday. Il est le même aujourd'hui. He's the same today. Il est le même demain. He's the same tomorrow. La plupart de lui, and most of him, comme étant, no, as, comme l'ange de l'Éternel, as the angel of the Lord. Dis avec moi, l'ange de l'Éternel. Say, the angel of the Lord. Dis encore, l'ange de l'Éternel. Repeat with me, the angel of the Lord. Nous allons voir un peu ce qui ce personnage. We're gonna see who is this dans person. Dans la Bible, le mot ange veut dire angelos dans le grec. In the word angel means angelos in Greek. Et ange veut dire messager. An angel means messenger. Et dans toute la Bible, nous voyons des anges. In all throughout the Bible, we see Hébreux angels. Hébreux 1, verset 14 nous dit, Hebrews 1:14 says, ce sont des serviteurs au service de Dieu. These are servants on the behalf of God. Des esprits au service de Dieu. They are there to serve God. Que Dieu envoie, whom God sent, pour exercer un ministère, to do a ministry, en faveur des saints, on the behalf of donc the saints. Les anges, so angels, en réalité, in reality, ce sont des créatures. These are creatures. Donc ils ont été créés, so they were created, par le Créateur. By the Creator. Christ, and Christ, il s'identifie aussi à la créature. Identifies himself to the creator. Oh, je to the sais pas si j'aurai le temps de parler aujourd'hui. I hope I'm gonna have time to speak mais today. Si je n'ai pas le temps, j'en parlerai dimanche. If I have time, I'll speak on it vous on Sunday. Comment la nature, you see how the nature, avec toutes ses diversités, with all its diversity, révèle Christ. Reveals Christ. Tu n'as pas de raison it means that you don't have any de ne pas croire en lui. Do not believe in him. Encore moins less again, de ne pas te confier en lui. To trust in him. Parce que tout because est éteint all things is comme étant le seul as being the et l'unique. Only one. Le ciel raconte sa gloire. Speaks of his glory. L'humanité humanity témoigne de sa majesté. Of his majesté. Oui, la création creation, tout entière all of it, célèbre ce Dieu. This God. Donc, tu vois la marque de so Dieu. You see the hand tu of God. Vois les empreintes de Dieu dans la création. Oh mon Dieu. Hallelujah. Alors il prend aussi la forme d'une créature. He also takes the shape of a creature pour se révéler aux hommes. To reveal himself to man. Oui. Yes. Alors dans la Bible, so in the Bible, nous voyons plusieurs types. We see many types of angels. La Bible nous parle des chérubins. The Bible was with cherubim. Dans Genèse 3. If you read in Genesis 3. Après que l'homme soit chassé du jardin, after man be cast out of the Dieu garden, envoya des chérubins. God sent cherubim. Qui agitaient une épée flamboyante. A soul with pour empêcher l'homme to forbid man d'entrer dans le jardin, from going into the garden, aller sur le chemin de l'arbre de vie, and go towards the path et of the cherubin, c'est la classe d'ange qui protège that la sainteté de Dieu, the holiness of la God, gloire de Dieu, the glory of God. Du reste, and the rest, la Bible dit the Bible says, que le trône de Dieu the throne of God, est basé sur les chérubins. C'est une classe d'ange redoutable. That are stuck. C'est aussi les chérubins hein, que nous retrouvons sur l'arche de l'alliance. Upon the ark of the covenant, on voyait deux chérubins aux ailes déployées. There was two cherubims with their wings spread pour protéger to protect la nuée, the cloud, la gloire and the glory qui se trouvait sur les chérubins. Je dirais sur l'arche, that was found upon the sur ark le propitiatoire, upon the ark of the covenant. Et nous voyons les chérubins and we see that the cherubims qui étaient dessinés sur le rideau. That was drawn upon qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est pour dire que l'accès au lieu très saint était fermé par un voile. Or, la révélation est derrière le voile. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il est mort à la croix. Le voile du temple a été déchiré depuis en haut jusqu'en bas. Et la Bible déclare, nous avons maintenant une libre entrée par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans le chemin de l'arbre de vie, par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. La chair de Jésus était le voile qui empêchait l'homme d'entrer
entrer dans la divinité et to enter into divinity. Il plut à l'Éternel the Lord, que toute la plénitude that all fullness habita en lui. To dwell in him. Dieu fait homme God made man. Dans son état d'homme. In the state of tu man. Ne vois pas la gloire you don't see the mais glory, en lui but in him, c'est la plénitude it de is la divinité. The fullness of divinity. Voilà pourquoi les démons voyaient la gloire. That is why demons see the et ils disaient qu'y a-t-il entre toi et nous. And this is what's wrong between ça, you and c'est la première classe d'ange que nous that is the first class deuxième angels classe que la Bible présente. The second class the Bible ce sont des séraphins. These are seraphims. Ésaïe chapitre 6. Isaiah chapter 6. L'année de la mort du roi Ozias. On the day of the death of j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. The upon the throne, lifted. Et le pan de sa robe remplissait le temple. And the hem of his garment filled the et temple. Il y avait des chérubins qui se tenaient devant and lui. And there was standing et there. La Bible dit qu'ils avaient six ailes. And the Lord says that they are six and wings. Deux d'entre eux servaient pour voler. Two of them they used to wait to fly. Deux pour se couvrir la and face. Two others was to hide their tellement faces. Tellement qu'il est saint, on ne peut pas le regarder. Holy, they can't even look at it. Saint. Holy, holy, holy. Et l'Éternel des the Lord of hosts. Et toute la terre est pleine de and sa gloire. All earth is full of his glory. Et deux autres ailes, c'est pour se couvrir les pieds. And two other wings was to cover their feet. Nous voyons ces créatures angéliques merveilleuses qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Who are standing before the Lord of hosts. Au siècle des siècles. And from heaven. De génération en génération. Ils se tiennent dans la présence de Dieu. Et ils adorent Dieu nuit et jour. Comment ça se fait? How come it's que les anges sont capables de se tenir devant Dieu sans s'ennuyer et toi tu t'ennuies. Without being bored and you're bored. C'est qu'il y a un problème. It means that there's a problem. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu ne s'ennuient pas de la that présence is why de two Dieu. Children, two children of ah, David pouvait dire je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Troisième classe d'anges. The third class of angels. Ce sont des archanges. These are archangels. Et les archanges étaient les chefs d'anges. Archangels were the chief of c'est angels. Des guerriers. These are warriors. Et la Bible en cite trois. And the Bible mentions three. La Bible of them. Cite Gabriel. It speaks of Gabriel. Qui était l'archange le chef des messagers. Who was the chief of the messengers. À chaque fois qu'il y avait un message important, c'est lui qui était envoyé. If there was an important message, he's the one that was sent. À chaque fois qu'un ange envoyé avec un message était bloqué, c'est lui qu'on envoyait pour intervenir. If there an angel was blocked with a message, on he was the one sent to intervene. Michael. And also speak of Michael. Le chef de l'armée de l'Éternel. The chief of the army of the Lord. C'est lui-même qui est venu libérer Gabriel lorsqu'il a été retenu par les chefs de Perse. You know, I came to save you, Gabriel, when you was held back. Et la Bible nous parle de Lucifer. And the Bible speaks of Lucifer, qui était aussi un archange. Who was also an archangel. C'est pour cela de passage, j'aimerais dire ceci à l'église. And that is what I would like to tell the church. Pour toutes les personnes qui pensent que Lucifer est un petit. Everyone that thinks that Lucifer was is small. Qui l'insulte. That they insult him. Regarde ta tête, tu es vilain. They tell him, look at your head. Regarde you're toi ceci, regarde cela. Look at you. Bien aimé. This and that. Quand il est question de Satan, when it comes to Satan, je vais vous montrer ça tout à l'heure. I'm gonna show you later on. Ce n'est pas à vous de combattre contre lui. It's not you that has to Jésus fight against a dit, him. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jesus, I see Satan fall down from lui-même s'est like occupé de Satan. Himself took care mais of il Satan. A dit, vous allez chasser les démons. But he said, you guys who cast out demons. Il n'a pas dit Satan. He didn't say Satan. Someone didn't understand. Et les chrétiens aujourd'hui and Christians today se mettent à insulter le diable. Now they start insulting the devil. J'ai entendu il y a quelques années un jeune prophète. I heard a young prophet one day say. Qui parlait à Satan comme son ami. Who was being a Satan like his friend. Oh petit Satan. Oh you little Satan. Je vais t'écraser. I'm gonna crush je vais ceci. You. I'm gonna do this. Aujourd'hui c'est lui qui est écrasé. And today he's the one that is crushed. Aujourd'hui je vous parle. And as I speak to you c'est today. Pour cela, and that is en why. Matière de Satan, when it comes to Satan. Même Michael dit. Even Michael says. Que l'Éternel te réprime. The Lord cast you out. Que l'Éternel te réprime. The Lord can cast you out. C'est Dieu. It is the Lord. C'est Jésus plutôt. It is Jesus. Qui a fait homme. That became man. Qui a confronté Satan. That confronted maintenant, Satan. Et nous donne le pouvoir. And now he gives us puisque the power. Puisque le chef a été désarmé. Since the chief vous was avez maintenant arm, la capacité de désarmer. The ability ce to sujet. Arm, the subject. Voilà au nom de Jésus, ils chasseront les démons. They'll cast out demons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is somebody listening? Ne rentre pas dans cette forme d'orgueil spirituel. Don't become now prideful spiritually. Nous avons le feu. We have the fire. Nous avons l'onction. We have the anointing. Le diable est sur nos pieds. The devil is under our feet. Frère, chasse les démons, ça suffit. Cast out demons, brothers. Laisse that's enough. Son cas comme ça. Leave the rest like that. Est-ce que je parle à quelqu'un? Did I speak to someone? Ne te mets pas à insulter le diable. Don't start insulting the devil. Regarde toi, tu es vilain. Or tell him you're regarde ugly. Ceci. La Bible interdit ça. The Bible forbids all that. Le livre de Jude. With the book of Jude.
Bible interdit ça. Oh, Judge, the Bible on ne jurit pas les gloires. You do not insult c'est the une glory. Affaire de Dieu lui-même. It is God himself. Parce que c'est une autorité dans le domaine spirituel. It is an authority in the spiritual realm. Et dans le domaine spirituel, and in the spiritual realm, il faut connaître son rang d'autorité. You have to know your pour role savoir opérer dans l'esprit. And know how to operate in the spirit. Beaucoup de gens méconnaissent. Ils n'ont aucune différence. Ça fait aucune différence entre l'autorité et la puissance. Many people don't know how to make the difference between authority and power. Amen. Amen. Mais la quatrième classe d'ange que nous voulons parler. The fourth class of angels. On l'appelle l'ange de l'Éternel. It is called the angel of the Lord. C'est un personnage mystérieux. It is a mysterious person. On n'arrive pas à décoder. That we're unable to understand. Et on n'en parle que dans l'Ancien Testament. That we only speak of in the Old Testament. Mais Malachi quand il conclut. Malachi as he concludes. Il nous parle de quelque chose de merveilleux. He speaks of something that is amazing. On verra vers la fin. That we're going to see towards mais the end. Mais laissez-moi vous dire. But let me tell you. Ce personnage dans l'Ancien Testament est cité 52 fois. This person in the Old Testament is mentioned 52 times. Il est présent dans plusieurs livres. He's mentioned in many books. Dans plusieurs cas, dans plusieurs situations. In many cases, in many situations. Et c'est un personnage que nous devons connaître. It is a person that we must know. Parce que sa présence, en fait. Because his presence. Préfigurée. Is prefigured. Christ. Le mystère caché de tous les temps. The hidden mysteries of all time. Et de tous les âges. And of all ages. Dis avec moi l'ange de l'Éternel. Say with me the angel of the Lord. Dis avec moi l'ange de l'Éternel. Say with me the angel of the Lord. Alors la Bible nous dit ceci. The Bible says. Nous allons prendre Genèse chapitre 16. If you go in Genesis chapter 16. Genèse chapitre 16. Genesis 16. Nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Let's read from verse 6 to 10. La Bible nous dit ceci. Verse 6. Dans Genèse 16. Genesis 16. Abraham répondit à Sarai. Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Et alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Waouh! Ici, Agar était en train de fuir. Agar was running away from Sarah. Et elle arrive à un endroit. And she arrives at a place. La Bible dit va voir l'apparition d'un être. D'un personnage. A person. On ne sait pas d'où il vient. We don't know where he non, comes on appelle from. Juste l'ange de l'Éternel. But it's only called the angel of et the Lord. Et il vient parler à Agar. And comes to speak to Agar. Et dit, Agar retourne vers ta servante. And says, Agar, go back to your servant. Et ce qui m'a étonné, c'est ceci. And what is surprising is what is this ange. This angel parle comme s'il était Dieu. Speaks as if he is God. Et dit Agar. He says to Agar, je multiplierai. I will multiply. Alors que ce sont les promesses que Dieu lui-même a données. But these are promises the Lord gave c'est Dieu himself. Qui a la capacité de multiplier. God has the ability to quand multiply. Un ange apporte un message, when an angel brings a message, il parle toujours au nom de celui qui l'a envoyé. God speaks on the behalf of the il dit, one Dieu sent them. Te visitera. Says, God will Dieu visit te multipliera. God will multiply. Mais l'ange ici but angel ne cite pas Dieu. Doesn't mention God. Mais il dit, je te multiplierai. I will multiply. Wow. Donc amazing. L'ange de l'Éternel the angel of the Lord. C'était une préfiguration de Christ a prefiguration qui a le pouvoir that's the power de multiplication. Of multiplication. Oh, j'aime quand l'ange est avec nous. I love when the angel Dieu is with a dit us. À Moïse, mon ange marchera avec God toi. To Moses, my angel ton ange marche you. Avec toi. Your angel l'ange de l'Éternel au devant de toi. Angel of the Lord before les sentiers seront aplanis. Your path shall be ton planned. Ange marche when avec toi. Angel walks before il est capable you. De vous multiplier. He's able to multiply. Est-ce que je peux prophétiser sur cette église que le même ange qui a dit je me multiplierai qu'il multiplie encore le nombre de fidèles. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Amen. Je ne sais pas ce soir s'il y a des sénateurs et des sénatrices. I don't know if there's Senate members in this church today. Je vois quelqu'un dont les affaires seront multipliées. I see someone's business multiplied. Je vois quelqu'un qui sera multiplié dans ses projets. I see someone multiplying the plan. Je vois quelqu'un qui sera multiplié dans sa famille. I see someone multiplying the family. Ah, on a dit que Dieu était sérieux. Dieu dit, je veux te multiplier. Ah, le Dieu de la multiplication. The God of multiplication. Quand Dieu multiplie, when God multiplies, il multiplie. He multiplies. C'est 30, 60, 100. 30, 60, 100. Une multiplication. A multiplication. Une croissance. Exponentiel. Le Dieu de la Bible, Bible c'est le Dieu de la croissance. It's the God of growth. Ah, que l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, vienne te multiplier. May come and multiply you. Qu'il multiplie l'argent que tu as sur le compte. May multiply your money in your accounts.
Dans un pays, on a reçu des témoignages. In a country we received testimonies. Où l'argent sur le compte a été multiplié. Where money in accounts were multiplied. On sait pas comment. And we don't know how. Ah, j'ai dit ah, moi, si c'était moi, j'allais dire amen. If it was me, I would say amen. OK, ici vous n'avez pas besoin d'être multiplié. Bon, je maybe je, not je, in this place. Je réponds. I take back my testimony. Qui veut la multiplication? Who likes multiplication? Qui veut la multiplication? Who wants multiplication? Reçois cela au nom receive de Jésus. In the name of Jesus. Reçois cela au nom receive de Jésus. Receive it in the name of Jesus. L'ange de l'Éternel. The angel of the Lord. Wow. Dans Genèse 21. In Genesis 21. Verset 17. Verse 17. Vous lirez tout le contexte, mais je vais juste lire le verset 17. I'm just going to read verse 17. You can read the rest after. Genèse 21, verset 17. Il est dit ceci. It says this. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où tu es. Ici, Agar avait fui avec l'enfant. Here Agar had run away with the parce child. Que Sarah ne voulait pas que Isaac puisse hériter avec Ismaël. For Sarah did not want Isaac to inherit with Ismaël. L'enfant ici c'est Ismaël. Here the child is Ishmael. Agar elle arrive à un lieu. And Hagar arrives to the place. Il y avait juste un puits à ses côtés mais elle ne voyait pas. But there was a little pit next to her, but she mais was unable to see. L'ange de Dieu. But the angel of the Lord. Voyez, l'ange de Dieu. The angel of the Lord. L'a appelé depuis le ciel. Called from heaven. Donc l'ange de l'Éternel. The angel of God. Dans ce contexte. In this context. Et dans bien d'autres versets. And other verses. On l'appelle l'ange de Dieu. He's called the angel of God. Il entend les prières. And he hears the prayer. Toi qui es venu pendant 21 jours. You came for the 21 je suis venu te dire. I came to tell le you, ciel a entendu. Heaven heard. Et l'ange va descendre aujourd'hui. The angel will come down oh, today. Je te parle de l'ange qui est Christ lui-même. I'm telling the Christ il himself. Va descendre pour dire j'ai entendu. He will come to say I heard. Non, je suis venu dire à quelqu'un tu I as entendu. God heard toi qui venais à la dévotion matinale. You that came to the morning il prayer. A entendu. He heard toi qui prayer. Viens tous les soirs. You that came every j'ai evening. Entendu. God heard quand your prayer. Tu entends, ça te dit il exauce. When he hears, that means he answers. Oh, je vois quelqu'un qui a l'exaucement de ses prières. Prayer, parce que le ciel a entendu. For the heaven heard. Agar pleurait. Hagar was crying. Mais elle ne savait pas que le puits était juste à côté. But she didn't know the pit was right next je to her. Je suis venu dire à quelqu'un, essuie tes larmes. I came to tell somebody, wipe your tears. Tape-moi la main de ton voisin, dis, essuie tes larmes. Tap your neighbor's head, tell him, wipe your tears. Dis-lui, essuie tes larmes. Tell him, wipe your tears. Tu sais pourquoi je dis, essuie tes larmes? Do you know why I say, wipe your parce tears? Parce que pendant que tu pleures, because as you cry, la solution est juste à tes côtés. The solution is right next mais to you. Mais tes larmes t'empêchent de le but voir. Your tears are forbidding you from quand seeing quelqu'un it. Pleure beaucoup, as someone cries a lot, ses yeux ne voient plus bien. Their eyes don't see c'est pourquoi je dis ensuite de là. That's why I say wipe your tears. Nulle part dans la Bible Dieu dit. Even the Bible says. Quand vous avez des problèmes, pleurez. As your problems cry, the Bible says. Nulle part. Quand tu as des problèmes. When you have problems, Dieu the Bible dit, says. Prends courage. Be strong. Et je suis venu dire à quelqu'un prends courage. Say, courage. Arrête de pleurer. And stop crying. Je dis prends courage. I say, take courage. Arrête de pleurer. And stop crying. Parce que quand tu vas prendre courage. Because as you're gonna take courage. Tu vas te relever. You're gonna stand et quand up. Tu vas te relever. And as you're gonna stand. Tu vas regarder à gauche. You're gonna look on your left, tu vas regarder à droite. You're look on your right. Et tu vas voir que la solution était juste you à côté. The solution was right next to you. Ah, je voudrais parler à un célibataire. I want to speak to a single person. Oh, ton fiancé est juste à tes côtés, mais tu ne le vois pas. Your fiancé is next to you, but you don't see him. Bronda masa kandaba reboche dama mama mama. Il y a une femme de Dieu il y a quelques années. There's a woman of God a few years ago. Chantez-moi parce qu'elle nous a donné l'autorisation d'entendre. I'm desperate because she gave me the permission to do une so. Une femme de Dieu. A woman of God. Fervente, remplie de feu. Full of fire and prayer. Fidèle à Dieu. Faithful to God. Jusqu'à l'âge de 58 ans. Until she was 58 years old. Elle n'avait pas de mari. She had no husband. Un jour on vient chez elle, when on prie. When they came to her house. Elle nous a fait à manger. And she fed us. Après avoir mangé, elle dit, pasteur, priez pour moi, je veux un mari. After eating, she said, pastor, pray for me, I'm looking for a husband. Maman, 58 ans. I'm like 58 years dit, old. Oui. She said yes. J'ai dit oui. She said yes. Il n'y a pas d'âge. There's no age. J'ai dit il n'y a pas d'âge. I said there's no age. J'entends quelqu'un dire mais c'est la ménopause. I heard somebody say but it's menopause. Et je suis venu te parler de celui qui met la pause à la ménopause. Non, tu l'as pas bien entendu. You didn't understand what I said. Je te parle de celui qui met la pause the person à la ménopause. Tu mets la pause. Si tu doutes, he puts a pause. Demande à Coco Sarah. Demande à Coco Sarah. Demande à Coco Sarah. Grandma Sarah. Espérant contre toute espérance. Hope against all hope. Il a cru. She believed.
Je te dis là on dit c'est fini. When they tell you it's tant que le ciel n'a pas dit c'est fini. As long as heaven ah, isn't over. Ce n'est pas fini. It is not over. C'est pourquoi je t'interdis de mettre un point sur ma vie. Placing a point to my life. Lorsque tu parles sur ma vie, as you speak over my life, virgule. Plus a cup, parce que celui-là n'a pas encore parlé. The one that didn't speak yet, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Le dernier sur la terre. Last on this earth. Tell your neighbor, wipe your tears. No, wipe your tears, Joe. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation. That is why you need a revelation. Que tes yeux s'ouvrent. May your eyes be open. Il y a un frère à l'église. There's a brother at church. Il était là depuis longtemps, Seigneur. He was there telling God. Tout le monde s'est marié sauf moi. Everyone getting married except me. Moi je lui ai dit écoute. I told him listen. Ouvre tes yeux. Open your eyes. Arrête d'être comme un chinois. Stop being like an Asian person. Non comme un chinois. Like an Asian, a Chinese person. Le jour il a ouvert les yeux. The day he opened his eyes. En fait sa prière était juste à côté. In fact his prayer was next to him. Il était ivoirien. But he couldn't see anything. Il n'était pas quelqu'un de la Côte d'Ivoire. He was not someone from Ivory Coast. Il était un ivoirien. He was somebody that couldn't see anything. A dit à ton voisin vois maintenant. Tell your neighbor now see. Non non tu n'as pas bien entendu. Regarde ton voisin dit vois maintenant. See clearly now. Est-ce que quelqu'un veut voir aujourd'hui? Does somebody want to see tonight? Est-ce que quelqu'un veut voir aujourd'hui? Anybody wants to see tonight? Le succès de ton ministère c'est juste à côté. The success of your ministry is right next to you. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'herbe est toujours verte chez les voisins. Some people always think it's always next to the neighbor. Il est à Sénat mais il pense qu'il va percer dans une autre ministère, dans un autre ministère. He's in Sénat but thinking he's gonna percer in another ministry. C'est là où tu t'apprends, c'est là où tu vas progresser. It's where the Lord has you, where you're gonna grow. Arrête d'envier les autres. Stop envying others. Considère ce que tu as. Consider what you have. Considère le Dieu en qui tu te confies. Consider the God in whom you trust. De là où tu es, Dieu te bénira. Where you are, God is gonna bless you. Je dis de là où tu es. I said where you are. Le jour où Dieu va te bénir. The day the Lord will bless you. Le ciel you. Ne deviendra pas vert. Heaven will not become green. L'ange de Dieu. The angel of God. Entend la voix. He hears entend the la prayer. Prière. He hears the voice. Jesus. And he answers. Ah, après 21 jours. After 21 days. Je ne connais pas ta situation. I do not know your situation. Je ne connais pas ton problème. I do not know your problem. Mais l'ange de Dieu. But the angel of God. Mais Jésus qui est assis sur son trône. Jesus sitting on his throne. Qu'il te visite. May he visit je you. Je dis qu'il te visite. I said may he visit you. Tu as mis ta confiance you en lui. You place your trust in him. Tu ne seras pas dans la honte. You will not be put to shame. Un jour, un roi a été attaqué. One day a king was attacked. Il était désemparé. He was attacked. Il a vu l'armée. De l'ennemi. He's in the army of the enemy. Envahir son pays. Overcome his whole country. Il a commencé à trembler. And he started shaking. Je suis venu te dire il y a des situations qui peuvent te faire trembler. I came to tell the situation that can make même you shake. Même quand tu trembles. But even when you're shaking. N'oublie jamais. Never forget. Que tu as quelqu'un au ciel. That you have someone in heaven. Dieu dit invoque-moi. God says call upon me. Et je te répondrai. And I will answer you. Josaphat est rentré dans le temple. Jehoshaphat went into the temple. Il a pris le courrier. And he took the mail. Qu'on lui avait envoyé. That was sent to him. Il a présenté à Dieu. Presented it to des fois quand tu as un problème, at times when you have your problem, amène ton problème devant l'autel. Bring your problem before the altar. Le médecin fait un diagnostic. A doctor gave a diagnostic. Ah, tu as le cancer. Oh, you have cancer. Ah, tu as telle maladie. Oh, you have this type of sickness. Amène ces papiers. Bring those papers. Mets-le sur l'autel. Place it on the altar. Dieu, and say, God, c'est toi qui m'as créé. You're the one that created c'est toi qui as formé ce corps. Je n'ai pas fini ma mission. I'm not done my je ne mourrai pas. I will not die. Je vivrai. I shall et live. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. And I testify the glory of God. Lis le courrier. Read this message. Tu vois la foi. Amène ce courrier là, montre-lui. Bring the courier and read it. Show it to him. Celui qui a fait les yeux ne verrait-il pas? The one that made the eye, can he not see? Toi-même viens lire ça. Yourself, come and read this. Then viens, tell viens, 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 lis. Come read it. Come read it. Come read it. Dieu aime les défis. God loves challenges. Vous savez, la confiance en Dieu, c'est des fois défier. You know, trusting God at times is to challenge Him. Si tu n'agis pas, if you don't do so, tout Ottawa va dire ça là-bas à l'église tout le temps. All Ottawa will say, but this person only goes to church all the time. Tout le temps à la chorale, that guy il est là choir, toujours en train de servir, mais serving, on ne voit rien. But we don't see anything. Alors pour que tu n'aies pas honte, so for you not to be put to shame, sauve ta face et sauve ma face. Save your face and save mine. Quand Dieu entend ça, as God hears il dit this, non 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 non, je dois agir. He says I have to act. Et je suis venu te dire, and I came to tell you. À cause de la gloire que Dieu aime, because of the glory that God loves, il agira pour toi. He will act for you. Tu n'as pas bien compris.
Il n'agira pas d'abord pour toi. He's not going to act for you. Il va agir pour lui-même. He will do it for him. Mais ensuite pour toi. And then for you. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. God does all things for his ensuite glory. Pour notre bien-être. And then for our good. Je croyais que tu allais acclamer Dieu. I thought you were going to clap for the Lord. Notre Dieu n'aime pas la honte. Our God doesn't like shame. Non. 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 Not at all. Genèse 31. Genesis 31. 11 à 13. 11 to 13. Là, vous allez voir comment est-ce qu'il s'est révélé à Jacob. You'll see how he revealed himself savez, to Jacob. Jacob avait vu un homme avec qui il avait lutté. Jacob seen a man with whom he fought. Cet homme avec qui il avait lutté n'était rien d'autre que l'Éternel. And this man that he fought with was none other than the Lord. On a dit celui qui lutta avec l'Éternel. That is why I said the one who fought with the Lord. Voyez, donc des fois Dieu so at times God prenait la forme humaine would take human shape comme l'ange de l'Éternel as an angel of the Lord pour venir rencontrer l'homme to come and meet with et man, le sortir d'une dimension à une autre. Bring him out of one dimension to another. Et dans Genèse 31, and in Genesis 31 Dieu dit à Jacob, God says to Jacob, il lui rappelle d'abord son alliance, he reminds him of his covenant, plutôt son vœu, of his will, of his wish, parce qu'il avait oublié de réaliser son vœu. Because he forgot to do his Dieu wish. Lui rappelle son vœu. So the Lord reminded et him of it. L'ange lui dit, and the angel said, je suis le Dieu de Bethel. I'm the God of Bethel. C'est l'ange qui parle. It is the angel vous allez lire à la maison. And you read il dit, je suis, verset 13. Verse 13. Je suis le Dieu de Bethel. So I'm the God of Bethel. Où tu as oint un monument. We entered et où tu m'as fait un vœu. And made a vow. Maintenant, lève-toi. Now, arise. Sors de ce pays. Go from this land. Et retourne au pays de ta naissance. And return to the land of your kindred. Le Dieu de Bethel. The God of Bethel. Le Dieu de la maison de the Dieu. God of the house of Bethel. Bien-aimé. Beloved, Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel is the house of God. Ce n'est pas seulement un endroit, je dirais, un lieu géographique. It's not just a geographic place. Cet endroit ici, cette salle. This room. À cause de ta présence. Because of your presence. À cause du fait que nous invoquons le nom de Jésus. Because the fact we call upon the name ça of Jesus. Bethel. It becomes Bethel. Là où le ciel se rencontre avec la terre. Where heaven meets with earth. Lorsque tu pries ta prière monte. As you pray, your prayer goes et la gloire de Dieu descend. And the glory of God comes et spirituellement, il y a une échelle ici. And spiritually, there is like a ladder. Il y a une échelle ici. There is a ladder où les anges here, montent et descendent. Where angels go up and down. En fait, l'échelle là, c'est Jésus. In fact, the ladder is Jesus. Parce que Jésus a dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Because now Jesus said you're gonna et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. On the Son of Man. En réalité, les anges sont au ciel. In fact, amen on above. Ils doivent descendre ensuite monter. Angels have to come down. Mais and go là, back il dit ces anges montent ensuite ils but descendent. Says the angels go up en fait, and les anges come en question c'est toi. It means the angels quand are tu viens pendant 21 jours. As you come for 21 days. En réalité, tu es en train de monter in sur le ciel. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour. And today is the last tu vas day. Descendre. You're gonna come down. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Someone did not hear. Tu vas descendre avec un ainsi dit l'Éternel. You're gonna come down with a thus tu vas descendre avec une bénédiction de la part de Dieu. Blessing from God. Je bénis Dieu parce que je n'étais pas là au début. I blessed the Lord for I wasn't here at the quand beginning. Ça a commencé, j'étais à Kisangani. When it began, I was in Kisangani. Mais j'étais pressé. But I was in a rush. D'arriver au Sénat. To come in Sénat. Mieux vaut la fin d'une chose. It's better the end of something que son commencement. Than its beginning. Je suis venu. I came to share. La Bible dit les derniers seront les premiers. The last shall be the first. Je suis venu en dernier. I came at last. Mais quand je vais descendre, but as I'll come down, avec tous les sénateurs. All the senators. J'ai aussi ma part. I also have my portion. Je disais, j'ai aussi ma part. I also have my portion. Reçois ta part au nom de Jésus. Receive your portion in Jésus. Je dis, reçois ta part. Receive your portion. Ce que tu attends de Dieu, reçois-le. What you expect of God, ce qu'un homme ne peut te donner que Dieu te l'accorde. What man can I give, receive. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je dis, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois. Receive. Si c'est la promotion, reçois. If it's promotion, receive. Si c'est le bonheur, reçois. Happiness, si c'est la réussite, reçois. Success, si c'est la percée, reçois. If a breakthrough, receive it. Nous descendons. We're coming down. À Bethel. In Bethel. Le Dieu de Bethel. The God of Bethel. Et je suis le Dieu. He says, I am God. De Bethel. The God of Bethel. El Bethel. El Bethel. Le Dieu de Bethel. The God of Bethel. Ne considère pas cette salle comme do une not, salle. Do not consider this room quand like a normal ici, room. Entre avec révérence. As you come in, you come with reverence. Parce que c'est là où le because ciel est ouvert. It is where heaven is open. Ah oui, frère. Yes, brother. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. I am in their midst. Si deux s'accordent. If two in agreement. Vous demandez une chose à mon père. Something to my il leur sera accordé. It shall be granted. Et ici nous sommes plus que deux. More than two et nous allons recevoir ce que Dieu nous accorde. Si tu es malade, reçois ta guérison. If you're sick, receive your healing. Tu n'as pas besoin qu'on te pose le verre. J'ai dit si tu es malade, you don't need reçois ta guérison. I said if you're sick, receive your healing.
Je sens qu'il y a des célibataires qui veulent se marier. Qui est célibataire qui veut se marier? Is there a single person in this room that wants to get married? Lève la main. Lift your hand. Lift your hand. Okay, lève la main. Lift your hand. Que Dieu te visite dans le mariage au nom de Jésus. May the Lord visit you in marriage in the name of Jesus. Un mariage glorieux. A glorious marriage. Un mariage de prince et de princesse. A marriage of prince and princess. Un mariage où ton visage sera relevé. A marriage where your face shall be lifted up. Où la honte sera relevée. Shall be removed. Que Dieu te visite au nom de Jésus. May the Lord visit you in the name of Jesus. Que Dieu te visite dans ton ministère. May the Lord visit you in your ministry. Que Dieu te visite dans ton appel. Il y a une nouvelle dimension de l'onction. A new dimension of anointing. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Non. Merci. Juste une autre dimension. It's just another dimension. Je sais pas si quelqu'un veut une autre dimension. I don't know if somebody wants another dimension. Mais j'ai dit à Dieu. I said to God. Je n'entre pas en 2020 avec l'onction de 2019. 2020 with the anointing of 2019. Je n'entre pas en 2020 avec la bénédiction de 2020. Enter 2020 with the revelation. Je vais rentrer dans une dimension de largesse. I want to enter into a spread. Non. Je vais rentrer dans une dimension de dimension. I want to enter in dimension of dimension. À dimension. In my dimension. Ah, reçois ta part. Receive your portion. Hallelujah. Amen. Tu vas prêcher comme jamais auparavant. You're gonna preach like never before. Quand tu vas commencer à chanter, on va sentir les anges commencer à descendre. It's gonna be like angels coming down. Ah, quand tu vas aller évangéliser, when you're going les paroles de connaissance, there's words of knowledge that will come out. Ça va commencer à sortir. They'll come out of you. Ah, quand tu vas commencer à faire des choses, as you're gonna be doing le ciel va être en mouvement. Heaven will be moving. Les choses vont commencer à bouger. And things will start moving. Une autre dimension. Another dimension. C'est la grâce. It is the grace. Là où il y a Bethel, il y a la grâce. Where there's all the grace. Tout n'est que grâce. All is grace. Ce n'est pas parce que tu as prié. It's not because you prayed. D'abord. First. À cause de sa grâce. Because of his grace. Ce n'est ni par la force. It is not by strength. Ce n'est ni par la puissance. Lord, by might. Mais c'est par but mon it esprit. Is by my spirit. Par mon esprit. By my spirit. Par mon esprit. By my spirit. Dit l'Éternel des armées. The Lord of hosts. Et quand tu sors de là, as you come out of there, la Bible dit, qui es-tu grand de montagne? Says, who are you great mountain? Qui es-tu problème? Who are you problem? Qui es-tu situation who difficile? Are you situation? Tu seras aplani. You shall be led older. Exode 3. Exodus chapter 3. Nous sommes dans le cas de Moïse. This is the case of Moses. 1-14. Je vais lire le verset premier. English follow-up. Au verset de la Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel lui, il a la capacité d'apparaître. Yes, ability to il a appear, la capacité de disparaître. And the ability to disappear. Il lui apparut là. Dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit. On a parlé de l'ange de l'Éternel. Là maintenant, on dit l'Éternel vit. Now it says in verse 4, the Lord saw. Il se détournait. Pour voir. That he turned aside to et see. Dieu l'appela du milieu du buisson. God called him out of the bush. Et il dit, Moïse, Moïse. He says, Moses, Moses. Et il répondit, me voici. And he says, here I am. Là, nous sommes en train de voir l'appel de Moïse. We're seeing the calling of Moses. L'ange de l'Éternel. The angel of the Lord. Le mystère caché de Dieu. The hidden mystery dans of God. Dans tous les temps et dans tous les âges. In all ages and all times. Jésus Christ. Jesus Christ. Qui était encore voilé dans les âges passés. Veiled in the old time. Il apparaît comme l'ange de l'Éternel. Il vient appeler Moïse. He comes to call Moses. Mais il descend dans un buisson. But he comes down in a bush. Le buisson est en feu. The bush is on fire. Pas de cendre. But there's no fire. Ça ne consume pas. It's not being consumed. Moïse dit, tiens, Moses says, whoa. Qu'est-ce que je suis en train de voir? What am I seeing? Qu'est-ce que je suis en train de voir? What am I truly seeing? C'est pourquoi il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois. That's why your eyes have to be open. Peut-être to que see tu as déjà vu. Maybe you've seen already. Une manifestation de Dieu. A manifestation of God. Mais tu n'as pas réussi à t'identifier. But you're unable to identify. Tu n'as pas réussi à disséquer. You're unable to dissect. Que c'était l'œuvre de Dieu en action. The act of God in action. Moïse se détourne pour voir. Moses turned around to see. Et du milieu du feu. And from the midst of the bush. Du milieu du feu. From the
the middle notre of the fire. Dieu est aussi un feu de our God is also consuming une fire. Une voix a parlé. And a voice came out. Moïse. Moses. Moïse. Moses. Après ces 21 jours, and after these 21 days, il y a des gens que Dieu va appeler au service. God gonna call to service. Il y a des gens que Dieu va appeler au ministère. God gonna call to ministry. Il y a des gens que Dieu va appeler à le servir dans une autre dimension. God will call to call Moïse, service. Moïse. Moses, Moses. Et dit, me voici. And he says, here I am. Et cause avec Moïse. And he speaks with Moses. Il dit, je suis entendu le cri des enfants d'Israël. He says that I heard the cry of the people of Israel. Pleurs. I seen the cries. Je connais leur douleur. I know their pain. Je suis descendu. But I came down. Et il était au ciel. And he says he was in heaven. Il est descendu. He came down. N'est-ce pas? Correct. Okay, il dit, and he says, va. He says, va. He says, go. Je t'enverrai pour libérer mon peuple. I'll send you to set free my people. Moi, dis, non, je peux pas aller. He says, no, I cannot go. Qu'est-ce que je veux leur dire? What am I going to tell them? Que Dieu m'a apparu. That God appeared to me. Le Dieu de vos pères m'a apparu. The God of your fathers appeared ils to me. Ils me croiront pas. They will not believe me. Ils me demanderont, mais quel est they'll son nom? They'll ask me, what's his name? Il dira, dis-leur que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël est apparu. Tell them the God of Abraham, Isaac and Jacob appeared to me. Et il se révèle à Moïse comme étant je suis. And reveal himself as I am. J'ai dit bien je suis. I said I am. Ce n'est pas un verbe qui se prononce. This is not a verb that is pronounced. Je suis. He says, I am. Son nom c'est je suis. His name is I dis am. Dis avec moi je suis. Say with me I am. Dis avec moi je say suis. Say with me I am. Est-ce que tu peux le dire plus fortement? Je I suis. Am. I am. Il s'appelle je suis. He is called I am. Hallelujah. Amen. C'est-à-dire les temps peuvent changer. In that time can change. Mais lui ne change pas. But he never changes. Les événements peuvent changer. The events can change. Mais lui ne change pas. But he doesn't change. Les circonstances peuvent changer. Circumstances can change. Mais il ne change pas. But he doesn't change. C'est pourquoi je donnerai raison dans Hébreux. That's what Hebrews says. Chapitre 13 verset 8. Verse 13, verse la Bible dit Jésus Christ. It says Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Est le même. He's the same. Il est même. He's the same. Yeah. Yesterday. Aujourd'hui. Today. Et éternellement. And forever. Le Dieu de Moïse. The God of Moses. C'est ton Dieu. It is your God. Le Dieu d'Élie. The God of Elijah. C'est ton Dieu. It is your God. Il n'a pas changé. He did not change. Il n'a pas changé de face. He hasn't changed faces. Il n'a pas changé d'aspect. He did not change any face. Il est le même. He's the same. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, that is why Jesus il came. Parlait avec les pharisiens. He was speaking to the Pharisees. Il leur dit quelque chose. He said something to them. Avant qu'Abraham fut. Before Abraham was, I am. Je suis. J'aimerais dire à quelqu'un. I want to tell someone. Quand tu te réveilles, as you wake up in the morning, ne pense plus à hier. Don't think of yesterday. Si hier c'était un échec, if yesterday was a failure, il s'appelle je suis. He is called I am. Aujourd'hui ta vie peut changer. Today your life can change. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. I thought I was speaking to someone. Je dis aujourd'hui ta vie peut changer. Today your life can change. Il s'appelle je suis. He is called I am. Invoque le dit je suis viens. Call upon him. I am. Dis je suis viens. Tell him I am come. Je suis viens. I am come. L'ange de l'Éternel dit, je m'appelle je suis. The angel of the Lord said, I am. Et Jésus dit dans Jean 8. And Jesus said in John 8, je suis. I am. C'est pourquoi je l'aime. And that is why I love him. Deux versets rapidement et on termine. Two quick verses before we conclude. Dans Juges 6. In Judges chapter 6. 11 à 22. Nous voyons l'ange de l'Éternel apparaître à Gédéon. We see the angel of the Lord appearing to Gideon. Condition où c'était misérable. It was in a miserable condition. Difficile. It was a difficult situation. Il apparaît à Gédéon. And he appears to Gideon. Et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. So the Lord is with you, mighty warrior. Il dit, si l'Éternel était avec nous. He says, if the Lord was with us. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Why all this misery is happening to us? Des fois tu te dis, mais je prie, mais pourquoi autant de malheurs? At times you say, I pray, but how come all this misery happening? Quand tu regardes les païens, tu vois l'impression que les païens vont bien. When you look at the Gentiles, you think that they're living better than you at times. Le problème de la prospérité des méchants toujours était un chagrinant. Pour les enfants de Dieu. The prosperity of the wicked always brings sadness to the sons of God. Prodiges qu'on nous a parlé? Where are these wonders that où we are speaking of? Dieu? Where is this God? Que le docteur Michaud nous prêche? That Dr. Michaud speaks of? Where is this que God? Que le pasteur Harry et les autres pasteurs nous prêchent? That Harry and all the pastors speak où of? Je le vois pas. Where are they? I don't see them. Mais il dit l'Éternel est avec toi. But he says the Lord is with vaillant you. Héros. Mighty warrior. Quand l'ange de l'Éternel t'apparaît, as the angel of the Lord appears, il ne te voit pas dans le présent. He doesn't see you mais in the present. Mais il te voit dans le futur. But he sees you in the future. Après d'accomplir des great je suis venu dire à quelqu'un, tu es un héros. Someone, you are a warrior. Tu es un vainqueur. You are a mighty overcomer. You are a warrior. Alléluia. A hero. Amen. Alléluia. Amen. Et dit, va, tu battras Madian. It says, go and you're gonna overcome Midian. Dit, me
je suis le plus petit de ma famille. He said, I'm the little one of my family. Est la plus pauvre de Manassé. My family is the most poor of Manasseh. Il dit, va avec la force que tu as. He says, go with the strength that you have. Quand l'ange de l'Éternel t'apparaît, when the angel of the Lord en appeared, fait, il te révèle que tu as une force mais que tu ignores. In fact, he reveals to you have your strength that tu you as des ignore. Capacités, des aptitudes que tu ne connais you pas. Your abilities and capacities that you do not know. Mais que l'ange de l'Éternel vienne révéler ce qui est caché en toi que tu n'as pas the vu. The angel of the Lord reveals to you the things that you do not know la that you have. La plupart des fois quand on dit c'est fini, en réalité c'est le début du commencement. Most of the time when we say that it's over, in fact, it's the beginning of what they said was end. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, attends-moi là. He says, wait for me si here. C'est vraiment Dieu qui me parle, if it's truly the Lord je vais aller to faire me, un sacrifice. I'm going to go and make a sacrifice. Je dors pas. Get, made, il prend goes, des chevaux. And takes il vient le sacrifier. And sacrifice. Et pendant qu'il était en train de sacrifier, as he was making a sacrifice, l'ange disparaît. Boom, the angel disappears. Au milieu du feu. In the midst of the fire. Il savait que Dieu était un feu dévorant. He knew that God was a devouring fire. Il dit, malheur à moi. He says, cursed am I. Vu Dieu for face I've seen God face to face. Alors que Dieu avait dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. As God said to Moses, no one can see me. Ils avaient tous peur de mourir. They were all afraid to die. L'ange de l'Éternel. The angel of the Lord. Quand il vient, as he comes, il te montre que tu es capable de beaucoup de choses. He shows you that you're able to do great things. Mon frère, ma sœur, my brother, sister, ne pense pas que c'est fini. Don't think that it's over. Arrête d'envier les autres. Stop envying others. Va avec la force que tu as. Go with the might that you have. Après ce programme, after this program, commence une entreprise. Start a business. Va à l'école. Go to school. Va travailler. Go to work. Fais quelque chose. Do something. Entreprends quelque chose. Do something. Tu as une force cachée en toi. You have a hidden might in you. Et quand tu es attaqué, and as you're attacked, submergé, overwhelmed, environné par l'ennemi, surrounded by the enemy, ne pense pas que tu es seul. Don't think that you're alone. L'ange de l'Éternel est là. The angel of the Lord is there. Dans Psaume 34, il est dit. In Psalms 34, it says, l'ange de l'Éternel, the angel of the Lord, camps autour de ceux qui le craignent. Around those who fear. Qui craint Dieu ici? Who fears God here? Qui craint Dieu ici? Who fears the Lord in this room? Dieu, who fears the Lord? I want to see you. Il y a l'ange qui campe comme ça. There's an angel that camps like that. Il campe. He camps autour de toi. Around you. Pendant que vous dormez. As you're asleep. Quand les petits sorciers viennent attaquer. As the little sorcerers comes to tu attack. Tu sais pourquoi des fois tu dors en paix? You know why at times you can sleep at peace? Tu es des fois combattu mais tu ne sais pas. At times you're fought but you do ils not know. Ils ont des gifles spirituelles. They have spiritual slaps. Mbata. A big slap. Spirituel. Spiritual. Bam. Un jour un sorcier est venu me dire. One day a sorcerer came to say to me. Toi tu es sorcier. You are a sorcerer. Quand un sorcier te dit que tu es sorcier. When a sorcerer tells you you're a sorcerer. Ça veut dire que. That means that. Non tu n'as pas bien compris. You didn't understand. Ça veut dire que. Which means that. Il a mêlé les testeurs. Il a voulu tester la puissance. He wanted to try the power. Combien d'ampères, c'est ça non? Combien d'ampères? How much power? Hey! Bouleversement. Overwhelmed, troubled. Tu es une boule de feu. You are a ball of fire. Tu as une puissance en toi. You are a power yourself. Tu as le pouvoir en toi. You have might in you. Va avec la force que tu as. Go with the might that you have. Lève-toi. Rise. Lève-toi. Rise. Non, non, non. Pas se lever maintenant. Lève-toi. No, just rise. Lève-toi, lève-toi. Rise. Amen. 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 Dans Juges 13, in Judges 13, il a parlé à Manoac, plutôt à la femme de Manoac. He spoke to the wife of Manoac. Pour la naissance de Samson. For the birth of Samson. Et il dit, and he said, à la femme de Manoac qui était stérile. To the wife of Manoac who was barren. Tu auras un enfant. You're going to have a child. Il lui donne des conditions. And he gives conditions. Et Manoac dit, je veux que cet homme revienne. Manoac said that I would et like this child to come back. And when this man came back, il dit la même chose. He says the same thing. Et il pose la question. And he asks the question. Quel est ton nom? What is your name? Manoac était curieux. Manoac was pour curious. Pour savoir quel était le nom de cet ange. To know what the name of the angel l'ange was. L'ange dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? The angel said, what do you want to know my name? Mon nom est merveilleux. My name is wonderful. Oh, le nom merveilleux. But the name wonderful. Signifie littéralement admirable. It means admirable. C'est le même nom que Jésus a. It's the same name that Jesus had. Esaïe 9. In Isaiah 9. Un enfant nous est né. A child is born. Un fils nous est donné. A son is et given. Et la domination reposera sur lui. Dominion shall rest on l'appellera admirable. Admirable. On l'appellera merveilleux. It's called wonderful. Donc, l'ange de l'Éternel. So the angel of the Lord. S'appelle merveilleux. It's called wonderful. J'aime le mot en allemand. I love this word in wunderbar. Wonderful. Dis à ton ami wunderbar. Wunderbar. Merveilleux en anglais c'est quoi? Wonderful. Dis à ton ami wonderful. Wonderful. Dis-lui wonderful. Dis-lui wonder. Il s'appelle comment? He's called wonderful. Lisez dans Juges 13.
Wonderful. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, oh, wonderful day. Wonderful day. A beautiful day. Un jour merveilleux. What a wonderful day. Quel jour merveilleux. Wonderful. Wonderful. Il y a des chrétiens quand ils se réveillent. The Christians when they wake up at night. Ils commencent à maudire sa journée. They start cursing their day. Ils commencent à maudire même le jour de sa naissance. They curse the day of their birth as well. Oh, can you stop that? Tu peux créer par la parole. You can create by your words alone. Commence à dire c'est merveilleux. Start saying it is wonderful. Oh, voici un jour je vais devenir millionnaire. Because one day I'm going to become millionaire. Voici le jour où je vais rencontrer. This is the day I'm going to encounter. Ah, l'ami de ma destinée. The friend of my destiny. Fundaba. Oh, amen. Ah, dis avec moi, Fundaba. Fundaba. Pasteur, j'ai encore 5 minutes. Dis Fundaba. Wonderful. Now tap the volume. That's your neighbor, tell him Fundaba. Fundaba. Wonderful. Pastor, wonderful. 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 J'aimerais finir. I would like to conclude. Plusieurs choses à dire. There's so many things to say. Vous le voyez dans Zacharie 3. You see that in Zechariah 3. Comment est-ce que cet ange a enlevé les habits sales de Zacharie? How the angel removed plutôt de Josué et le sacrificateur. The dirty clothes of Joshua the priest. Il lui a enlevé des vêtements de fête. And gave him clothes of celebration. Du péché. Dirty clothes et il voit j'enlève ton iniquité. He says, I'm removing your iniquity. Aucune créature n'a le pouvoir d'enlever le péché. No creature has the power to remove. Mais Jésus, but Jesus est celui qui ôte le péché. Is the one that removes the sin of the world. Vous voyez pourquoi tout ça c'était son parcours dans l'Ancien Testament. Do you see why all this was his journey in the Old Testament? Et je veux clore par un verset. And I want to conclude by a verse. Dans Malachi 3. In Malachi 3. Le verset premier. The first verse. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. The Bible spoke to something that touched me. La Bible dit, voici j'enverrai mon messager. He said, I'll send my messenger. Il préparera devant moi le chemin et soudain entrera dans son temple. Enter in the temple. Le Seigneur que vous cherchez. The Lord whom you seek. On dit bien le Seigneur que vous cherchez. The Lord whom you seek. Le messager de l'alliance. The messenger of the covenant. Que vous désirez voir. In whom you delight. Un messager c'est un ange. A messenger is an angel. Et le premier messager. And the first messenger. C'était Jean-Baptiste. It was John the Baptist. La voix de celui qui crie dans les déserts. The voice of the one that cries in the wilderness. Qui a plané le Seigneur du Seigneur. He prepares the way for the Lord. He prepares the way for et the Lord. Et soudain entre. And suddenly comes le in. Le Seigneur que tout le monde cherche. The Lord that all seek. Et ce Seigneur s'appelle. And the Lord is called le messager, the messenger, ou encore l'ange. Or even the angel. Mais là, on dit le messager de l'alliance. And here they said the messenger donc, of the covenant. Ici, nous voyons and here we see l'ange de l'éternel the angel of the dans Lord, le dernier livre de la Bible, in the last book of the Bible introduire la nouvelle alliance. Introduce the new covenant. Oh, la nouvelle alliance. And all the new c'est covenant. La plus grande de toutes les alliances qui existent. It is the biggest covenant parce que of c'est all une alliance exists, qui est contractée but it is à partir du sacrifice from de Jésus. The sacrifice of à partir de la mort. From the death. Et de la résurrection. Non, j'aime la croix. I love the cross. J'aime la croix. I love the cross. Il a porté nos péchés. They carried our il a porté sin. Nos iniquités. He carried our iniquities. Il a versé son he sang. Shed his blood. Il dit, c'est le sang de la nouvelle it alliance. Is the blood of the new covenant. Celui qui croit en moi. Celui qui me. Espère en moi. Celui me. Qui se confie en moi. Il entre dans une nouvelle he alliance. Into a new je suis venu te dire dans cette alliance. Into this les covenant. Liens familiaux sont coupés. The family ties are broken. Dans cette alliance, I say in this covenant, tous les péchés sont pardonnés. All sin are forgiven. Dans cette alliance, in this covenant, tous les démons qui t'attaquent, all demons that ils ont été dépouillés à la they croix. Overcome on the dans cross. Cette alliance, in this covenant, le pouvoir du péché the power of ne peut régner dans ta vie. It cannot reign in your le life, messager de l'alliance, the messenger of covenant. À partir de Malachi 3, from Malachi 3, on ne parle plus jamais de l'ange de l'éternel no longer speak of the parce qu'il nous a fait rentrer dans la nouvelle alliance. You enter the new covenant. Et votre église, c'est une église and d'alliance. Churches of Church of Covenant. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. I thought I was speaking to someone. Je croyais que je parlais à quelqu'un. I thought I was speaking to someone. Nous sommes dans l'alliance. We are in the covenant. La plus grande. The greatest. La plus merveilleuse. The wonderful. Qui est basée sur des meilleures that promesses. That is based upon better promises. Lève tes mains. Lift up your hands. Toi qui es dans cette église. You who is part of this church.
Tu vas dire à Dieu, je veux bénéficier. You're gonna tell God, I want to benefit. Toutes les promesses. From all the promises. En Jésus, toutes les promesses sont oui, amen. In Jesus, all promises are yes and amen. Il va t'exaucer à cause de l'alliance. It's because of the covenant you entered. Dans laquelle tu es. In whom you're in. Dans laquelle tu es entré. In which you came in. Il n'y aura plus de condamnation. There'll be no more condemnation. Il n'y aura plus de condamnation. There's no more condemnation. Personne n'a le droit de t'accuser. No one has the right to accuse you. Personne n'a le droit de te condamner. No one has the right to condemn you. Aucune puissance de ténèbres. No power of darkness. Ne peut résister. Can resist. Face au sang de Jésus. Before the blood of Jesus. La Bible dit, l'ont vaincu. The Bible said they overcame us. À cause du sang de l'agneau. Because of the blood of the lamb. Et à cause de la parole de leur témoignage. Because of the word of their testimony. La nouvelle alliance. The new covenant. C'est l'alliance la plus glorieuse. It is the glorious covenant. Qui nous a réconciliés avec le Père. That reconciled us with the Father. Et qui nous réconcilie avec les hommes. And that reconciles us with man. Et qui nous donne la paix avec Dieu. And that gives us peace with God. Et la paix intérieure. And interior peace. Et nous donne la prospérité. And gives us prosperity. Dans la nouvelle alliance. In the new covenant. La maladie ne peut plus régner. Sickness can no longer reign. Le sang de Jésus. The blood of Jesus. Va purifier ton sang. Shall purify your blood. Va guérir ta maladie. Will heal your sickness. Va guérir les blessures de ton cœur. Will heal the sickness of your heart. Lève ta voix, commence à prier. Lift up your hand and pray. Commence à prier. Can you start praying now? Ta vie va connaître un nouveau départ. Your life will know a new beginning. Ta vie va connaître un nouveau départ. Your life is gonna know a new start now. Dis à Dieu, Seigneur. Say Lord, now Lord. Dis Seigneur. Say Lord. J'ai entendu ta parole. I heard your voice. Fais-moi rentrer. Make me enter. Dans cette nouvelle alliance. Into this new covenant. Toi le messager de l'alliance. You the messenger of the covenant. Toi le messager de l'alliance. You the messenger of covenant. Je veux vivre. I wanna live. Les bénéfices. The benefits. De la nouvelle alliance. Of the new covenant. Avec Jésus Christ. With Jesus Christ. Que ma vie. May my life. Ne soit plus jamais la même. May never be the same. Il n'y a plus de condamnation. There's no more condemnation. Pour tous ceux qui sont en Jésus Christ. Qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Walk according to the Spirit of God. Par la loi de l'Esprit de vie en Jésus. The law of the Spirit of life in Jesus. M'a affranchi. That overcame me. M'a libéré. And set me free. Du pouvoir de la mort. From the power of death. Du pouvoir du péché. From the power of sin. Oh, Son, I bring again in my skull of glory. S'il te plaît. Pray seriously, pray seriously. Pendant deux minutes, s'il te plaît, prie. For two minutes, pray to the Lord. Prie, s'il te plaît. Pray to the Lord. Quand la main de Dieu est en train de se poser sur toi. The hand of God is laying upon là où tu es, pendant que tu es en train de prier. Where you are as you're praying. Je vois la main de Dieu qui se déplace. I see the hand of God moving. Je vois la gloire de Dieu qui vient I sur plusieurs personnes. I see the glory of God coming upon many people. Je vois Dieu changer la vie de plusieurs. I see God changing the life of many. Je vois Dieu guérir les malades. I see God healing the sick. Je vois Dieu ouvrir des portes. I see God opening doors. Je vois Dieu libérer les cœurs. I see God releasing hearts. Oh, la gloire de Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu en ce lieu. The glory la gloire of God. De Dieu en ce lieu. La gloire de Dieu en ce lieu. Jésus, en toi j'ai mis ma confiance.